Les sextos débarquent sur votre Windows Phone, un réseau social rien que pour les selfies. Faites connaissance avec un apprenti ninja qui a bien besoin de vous. Participez vous aussi au Hunger Games et puis réveillez le DJ qui sommeille en vous. Bonjour à tous, nous sommes mercredi, le jour de Phone Apps. C'est parti pour notre sélection d'applis de la semaine. On lui devait déjà 6 tags et 6 secs des clones d'Instagram et de Vine pour Windows Phone, sortis bien avant les versions officielles de ces applications de partage de photos et de vidéos. Eh bien, notre développeur français Rudy Huyn vient de récidiver avec 6 Snap qui, elle, permet enfin d'utiliser Snapchat aussi sur Windows Phone. Alors pour mémoire, Snapchat est une application de partage de photos et de vidéos éphémères qui, une fois qu'elles ont été vues par leur destinataire, sont automatiquement détruites. Et une application très en vogue actuellement, puisque ce ne sont pas moins de 350 millions de snaps qui sont échangés chaque jour dans le monde. Tellement en vogue d'ailleurs que Facebook a proposé de la racheter pour 3 milliards de dollars et Google pour 4. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors avec 6 snaps, vous retrouvez donc toutes les fonctions de Snapchat, puisque c'est un véritable copier-coller de l'application d'origine. Vous pourrez donc non seulement envoyer des photos et des vidéos éphémères à tous vos contacts, mais également les poster sur My Story, une option ajoutée récemment qui permet de rendre certains de ces contenus visibles pour une durée de 24 heures. Voilà, si Snap est bien évidemment gratuite. Au passage, merci à Joe Youssef qui m'a signalé sa sortie sur Twitter. Et pour la télécharger sans plus attendre, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en ce moment même à l'écran. Puisque nous en sommes à parler de photos, je ne pouvais pas passer sous silence cette semaine le nouveau réseau social Shots of Me qui surfe sur la mode des selfies. Les selfies, vous le savez sans doute, ce sont ces autoportraits de plus ou moins bon goût, il faut bien le dire, pris à bout de bras avec un smartphone, un vrai phénomène actuellement. Eh bien avec Shots of Me, vous allez pouvoir vous amuser à partager les vôtres avec vos amis. Pas seulement ceux inscrits sur Shots of Me, puisque tous vos clichés seront visibles depuis une simple fenêtre de navigateur à l'adresse shots.me/votre-nom-d'utilisateur. Pour le reste, l'utilisation de Shots of Me est on ne peut plus classique. Outre le fait que vous pouvez prendre vos selfies via l'application pour les mettre immédiatement en ligne et y ajouter un commentaire, vous pouvez aussi suivre d'autres utilisateurs qui eux-mêmes peuvent vous suivre et même échanger des messages privés avec eux. A savoir enfin, sur Shots of Me, vous pourrez croiser Justin Bieber, le vrai, qui vient d'investir 1,1 milliard de dollars dans ce nouveau réseau social. Shots of Me qui est une application gratuite mais disponible uniquement sur iPhone pour le moment. Dommage. Cela faisait un an qu'on l'attendait, le jeu Clumsy Ninja ayant été présenté lors du lancement de l'iPhone 5. Il aura fallu donc attendre le 5C et le 5S pour le voir enfin apparaître sur l'App Store. Mais force est de constater que ça valait quand même le coup. Car Clumsy Ninja fait partie de ces jeux au goût de revenez-y et qui n'en finissent jamais. Dedans, vous prenez le contrôle d'un ninja, très très maladroit, que vous allez devoir entraîner pour faire de lui un véritable guerrier. Pour cela, vous avez à votre disposition différents objets interactifs, trampolines, sacs de frappe, balles, paniers de basket, entre autres, qui lui permettent de gagner de l'expérience et aussi de l'argent pour s'acheter de nouveaux équipements. Le jeu comprend 99 niveaux, que vous mettrez sans doute pas mal de temps à compléter, car vous serez forcé de faire des pauses régulièrement, chaque objet ayant été utilisé une fois, demeurant ensuite indisponible pendant quelques dizaines de minutes. Mais pour que vous ne le fassiez pas tomber, Clumsy Ninja vous enverra une alerte sur votre smartphone dès qu'il sera prêt à reprendre ses entraînements. Et puis tout au long du jeu, vous allez découvrir de nouveaux lieux, rencontrer de nouveaux personnages et débloquer de nouveaux objets. Ce qui fait qu'on ne se lasse vraiment pas de ce jeu au graphisme extrêmement soigné. Enfin, pour ne pas gâcher notre plaisir, Clumsy Ninja est gratuit, mais comme je vous le disais, malheureusement disponible uniquement sur iPhone. Vous pouvez aller le voir depuis aujourd'hui dans les salles obscures, c'est un futur record du box-office, en tout cas aux États-Unis. Je veux bien évidemment parler du deuxième volet de Hunger Games, Hunger Games, l'embrasement, où l'on retrouve Jennifer Lawrence dans le rôle de Katniss Everdeen, qui va devoir de nouveau participer à un jeu de télé-réalité futuriste, où pour gagner, il faut zigouiller en vrai tous les autres participants. Et un tel blockbuster ne serait pas vraiment un blockbuster s'il ne sortait pas avec toute sa panoplie de produits dérivés, dont ici en l'occurrence un jeu pour iPhone et Android. Alors si vous connaissez déjà le jeu Temple Run, où il faut courir à l'infini sur des plateformes en tentant d'échapper à des singes, Hunger Games Catching Fire Panem Run en reprend les grands principes. Sauf que là, ce ne sont plus des singes qui vous poursuivent, mais un essaim de guêpes tueuses qui vont vous rattraper dès que vous aurez le malheur de ralentir un tant soit peu votre course. Vous allez donc devoir défier et combattre vos amis tout en cavalant à travers la nation post-apocalyptique de Panem, sauter, esquiver, détruire certains obstacles tout en récupérant des étincelles et autres matériaux qui peuvent être transformés en bonus pour améliorer votre personnage. Voilà, Hunger Games Catching Fire Panem Run fait partie de ces jeux sans fin, très addictifs, dont on ne se lasse pas et où en plus on peut défier d'autres joueurs en ligne.
Alors que vous soyez fan ou pas de Hunger Games, ce jeu mérite vraiment quand même le détour, d'autant plus qu'il est gratuit et puis ça change quand même un peu de Temple Run. Vous aimez la musique, vous aimez vous prendre pour un DJ, il existe alors une application incontournable pour ça, une appli française qui plus est et qui a déjà été téléchargée plus de 11 millions de fois, un vrai succès mondial, je veux parler de EDJing. Parce qu'EDJing est une véritable table de mix virtuelle qui n'a rien à envier aux platines des boîtes de nuit, avec elle vous allez pouvoir remixer vos chansons préférées et réaliser des transitions dignes d'un vrai DJ. Alors ce qui est bien aussi avec EDJing, c'est que cette appli ne se réserve pas aux seuls utilisateurs avertis. Même si vous n'avez jamais touché une table de mix, vous allez pouvoir très facilement utiliser tous les effets proposés pour modifier et enchaîner des tubes, scratch, flanger, pitch, equalizer, cue point et animer ainsi vos soirées. Et en plus, vous pourrez enregistrer vos créations, les partager sur Facebook, Google+, et Twitter, ou sur le site EDJing pour les partager avec d'autres utilisateurs de l'appli. Alors EDJing est une application gratuite disponible sur iPhone, iPad et sur Android, mais il existe aussi une version premium avec davantage d'effets qui coûte, elle, 5,49€. Et puis pour en faire encore plus, l'application propose des packs d'effets supplémentaires, mais qui eux aussi sont payants. Mais c'est notre petit cadeau de la semaine, EDJing va avoir le plaisir d'offrir à 5 d'entre vous son pack le plus complet, le pack Diamond, d'une valeur de 90€. Pour participer à notre tirage au sort, c'est simple, il vous suffit de vous abonner au fil Twitter de la chaîne Techno01net, et de retweeter le tweet contenant hashtag Phonabs28. Vous avez jusqu'au mardi 3 décembre pour participer. Bonne chance à tous. Le nom des 10 gagnants de la semaine dernière qui ont remporté un chargeur Juice pour leur smartphone Android s'affiche en ce moment à l'écran. Bravo à eux. Voilà, nous arrivons au terme de ce 28e Phonabs, mais nous nous retrouvons naturellement la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos applis coup de cœur, celles que vous aimeriez dont je parle, par mail, mais aussi sur mon Facebook, Twitter. À mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.